Bonjour Philippe Sansonetti, vous êtes titulaire au Collège de France de la chaire Microbiologie et maladies infectieuses. Et les microbes qui constituent votre quotidien sont désormais vus comme presque nos amis, alors qu'auparavant on les voyait comme nos ennemis. La notion de symbiose en tout cas est apparue récemment. Oui, c'est vrai qu'on a eu depuis très longtemps, moi-même dans ma carrière, une vision un petit peu guerrière de notre interface avec le monde microbien, les pathogènes, la maladie infectieuse. Tout doucement, mais avec une accélération évidente ces dernières années, on réalise le fait qu'il existe aussi une masse de microbes qu'on appelle les symbiontes ou les commensaux, qui en réalité peuplent nos surfaces, en particulier notre tube digestif, et qui jouent un rôle extrêmement positif par rapport à notre physiologie et qui l'ont joué très probablement au fil de l'évolution, puisqu'on retrouve ces symbiontes tout autant dans les autres organismes chez les animaux. Donc on réalise à l'heure actuelle, grâce en particulier aux nouveaux outils de la génétique, de la génomique, de la biologie moléculaire et cellulaire, l'impact qu'ont ces flores sur notre santé en réalité, l'impact qu'elles ont dans le domaine de la défense contre les maladies infectieuses, ce qu'on appelle les effets de barrière, l'impact qu'elles ont dans la mise à niveau de notre système immunitaire, à la fois local et général, l'impact qu'elles ont éventuellement dans le métabolisme. Elles peuvent servir de relais entre l'aliment, la richesse, le déséquilibre alimentaire et la survenue d'anomalies, par exemple, comme l'obésité. Mais on sent qu'à chaque niveau, avec même quelques dérapages, si on peut dire, en termes de maladies, l'effet global est positif et on découvre de plus en plus la profondeur et la diversité de cette symbiose, y compris dans des aspects comme le développement des phases tardives du système nerveux au moment de la naissance, quand l'organisme du nouveau-né, qui était jusqu'à présent stérile, commençait à être colonisé. Donc il y a un vrai monde qui s'ouvre et qui fait penser en fait que ce microbiote, comme on l'appelle maintenant, correspond quantitativement, qualitativement à l'équivalent d'un organe. Donc si on veut élargir ça sur un mode un petit peu philosophique, on peut dire que nous sommes un super organisme qui probablement n'existerait pas ou n'aurait pas passé des étapes de l'évolution sans l'aide de ces bactéries et de quelques champignons et levures qui complémentent leur mode d'action.